Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test d'un véhicule qui est maintenant disponible sur GTA Online à partir de 11h en ce jeudi 11 juillet. Et c'est donc le Impaler LX Cruiser. Et ce n'est pas le seul véhicule qui sera disponible à partir d'aujourd'hui, puisque vous aurez aussi la possibilité d'acheter sur Warstock la Dominator FX Interceptor. Je vous la présenterai dans une vidéo présentation custom et test dès demain, donc vendredi 12 juillet à 11h. Donc voilà, si jamais vous voulez pas rater avant de l'acheter, il y aura une vidéo dès demain sur ce véhicule. En attendant, on va se concentrer sur celui-ci donc. Et c'est la Impaler LX Cruiser. Ce véhicule, vous pourrez l'acheter, donc vous l'aurez compris, aussi sur warstockcashandcarry.com à un prix de 3 600 000 GTA dollars en tarif spécial. Et en tarif normal, elle sera à un prix de 4 800 000 GTA dollars. Donc évidemment, c'est encore un véhicule à l'ancienne hein, qu'on va pouvoir avoir dès aujourd'hui sur GTA Online en tant que véhicule de police. Donc forcément, ça fait plaisir à certains et un peu moins à d'autres. C'est sûr qu'on s'attendait à quelques véhicules plus récents quand même pour pour ce DLC. Tout simplement chasseur de primes en termes de véhicules de police, mais finalement on n'aura que des modèles plus anciens. Donc après ça reste un modèle plutôt sympathique, hein, un joli modèle, hein, la Impaler LX Cruiser, et voilà, elle fait plaisir à quand même à voir, mais voilà, sur tous les véhicules de police qu'on a, on en a très peu de récents, voilà, c'est ça le problème, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'ai pas grand chose à te dire de plus. On va vite fait faire le tour du coup du véhicule avec les portes ouvertes. Voilà, pour voir un petit peu les détails au niveau du capot. Voilà, donc le moteur, le filtre à air et le radiateur. La batterie est plutôt bien faite aussi. Après le reste, comme d'habitude, c'est des textures. On a un intérieur à l'ancienne. Voilà, avec les contours en bois. Ce qui est plutôt, voilà, ça rend plutôt sympa hein, sur ce style de véhicule. Voilà le volant et l'ordinateur évidemment qui n'est pas utilisable, en tout cas pas comme dans GTA 4. Ensuite on a l'arrière avec là un petit peu moins bien modélisé, voilà la banquette arrière qui fait un peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Et le coffre avec quelques petits détails sympathiques, voilà des cartouches, des fumigènes, la matraque, le gilet pare-balles de police. Gilet pare-balles qu'on ne peut même pas avoir dans le jeu finalement, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis après, bah, on passe côté passager, voilà, rien de plus à dire. On fait une présentation rapide et efficace de ce véhicule. Donc, de toute manière, si vous voulez l'acheter, comme je vous l'ai dit, bah, de toute façon, il est disponible à partir d'aujourd'hui hein, sur GTA Online. Donc voilà, moi, le but c'est de vous le présenter de manière assez simple. Et de vous présenter dans sa globalité pour que après bah, vous décidiez si vous l'achetez ou non. Allez, on va aller le tester jusqu'au LS Custom et puis on va customiser, voir un petit peu ce qu'on peut y faire sur ce véhicule. What's wrong with her now? Allez, on passe à la custom avec le blindage, les freins de course, pare-choc avant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix? Ok, pare-choc de série couleur 2, chromé.
pare-choc avec réflecteur 1 et 2. Pare-choc classique, couleur 1, couleur 2. Pare-choc chromé, séparateur, ok. Couleur 1, couleur 2. Alors on va partir sur du chromé. Pare-choc arrière, série, couleur 1, couleur 2. Rainuré chromé. Rainuré couleur 1, couleur 2. Classique chromé, couleur 1, couleur 2. Roue de secours, ah oui d'accord, carrément. On va faire comme ça. Moteur niveau 4. Échappement chromé. Biais chromé. Double titane. Double chromé. Ok. Échappement latéraux en titane. Latéraux chromé. Double échappement latéraux. Sur les doubles chromés. Voilà. Antenne arrière. Antenne chromée, couleur principale, couleur secondaire. Voilà, on va mettre comme ça. Calandre verticale, couleur 1, couleur 2. Calandre horizontale, couleur 1, couleur 2. Calandre à maille chromée, couleur 1, couleur 2. Et calandre vintage, chromé. Et voilà. Allez, on va partir là-dessus. Capot ventilé, couleur 1. Prise d'air. Prise d'air bas, prise d'air haute, aérateur à double filtre, aérateur à gros filtre, ok. Alors là, sur un véhicule de police, c'est assez dingue. Bug catcher triple ouverture, on va faire comme ça. Éclairage avec xénon, motif, on verra après. Rétroviseur, on peut mettre 100, néon chromé, couleur 1, couleur 2. Vous pouvez mettre en carré des rétro classiques, des rétro vintage, et c'est tout. On va partir sur celui-là. Matériel de police, projecteur, on peut les modifier. Ah non, c'est les trucs à l'avant. On peut faire comme ça. Avertisseur lumineux, donc vous pouvez le mettre à l'intérieur. Voilà, custom 3, custom 4, custom 5, custom 7, et on va partir là-dessus. Barre de protection, plastique, classique, de patrouille, d'intervention, de défense, d'interception, barre tactique, d'assaut, barre d'assaut sirène, finition. Bande chromée, ensemble de finition chromée. On va juste mettre la bande chromée. Aileron, ok. Bec et couleur 1, couleur 2. Plastique. Après moyen. Moyen en plastique. Vissé. Vissé en plastique. Bec et couleur 1, couleur 2. Et en plastique. Ah, on va mettre comme ça. Suspension. On va mettre de rue. Transmission. Course. Turbo avec. Type de roue. On va essayer d'y mettre quelque chose de sympa. Et on va mettre les Duke. On va laisser noir. Apparence des pneus. Ouais, on peut le mettre. Amélioration, ok. Vitre. On va les fumer foncé. Il reste plus que le motif. Ok. LS alternatif, police de LS, police autoroute alternatif, autoroute de Los Santos, shérif de Los Santos,
Alternatif. Police d'État. Alternatif. Ok. Police d'État de Los Santos. Los Santos Police. Oh, celui-là, il est sympa. Los Santos County. Ok. Los Santos State Trooper. Après, évidemment, peinture, vous pouvez changer la peinture principale et secondaire. Pour la faire de la couleur que vous voulez, évidemment. Ouais, on va la faire comme ça, du coup. C'est pas mal comme ça. Allez. Après, couleur secondaire. Voilà, vous pouvez modifier ici. Ça dépend le motif que vous mettez, évidemment. Voilà donc pour la présentation custom de cette Impaler Helix Cruiser. Bah écoutez, on a pas mal de petits choix pour la personnalisation du véhicule. Évidemment, après, vous pouvez la faire en version normale, en version banalisée, évidemment. Voilà. Après, c'est un véhicule qui, avec quelques motifs, ça la rend plutôt sympa. Voilà. Après, c'est des customs qu'on voit dans la plupart, sur la plupart des véhicules de police qu'on a eu récemment sur GTA Online. Après, bah, ce sera à vous de décider comment vous voulez la faire à votre sauce, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus de toute manière. On va aller la tester pour conclure cette vidéo et voir un petit peu ses performances. Écoutez, c'est un véhicule qui est plutôt facile à conduire et qui avance plutôt pas mal, hein, honnêtement. Ah, franchement, ça gère facilement. Hein. On va juste essayer le pare-buffle à l'avant pour voir. Ouais, ça marche plutôt bien. Ça va pas trop freiner la voiture. Hein. On va essayer là. Bien élancé. Ouais. Ça pousse. Hein. Il marche bien ce pare-buff. Allez, on va voir la vitesse de pointe. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. On va être pas loin de 185 mph. C'est plutôt pas mal quand même pour ce style de voiture. Bah écoutez, voilà les breakers, c'est donc la fin de cette vidéo présentation custom et test
de cette nouvelle Impaler LX Cruiser. Bah écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ce véhicule. Et puis pourquoi pas me dire si vous allez l'acheter ou non sur GTA Online. Et puis pourquoi pas aussi lâcher le pouce du soutien, c'est très important. Vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, comme la vidéo de demain, hein, qui concernera donc du coup la Dominator FX Interceptor que je vous présenterai demain matin aux alentours de 11h midi. Voilà, pour une présentation custom et test, histoire que vous voyez ce que ça donne avant de l'acheter si ça vous intéresse, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve dès ce soir pour les bonus GTA Online. A très vite. Ciao.